Quelle intro mythique! Allez, salut tout le monde, c'est Police, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Une aventure très 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 mythique. Un jeu mythique. Nous sommes plus, par contre, sur la version Xbox One. Nous sommes bel et bien sur la version PC. Oui. Nous sommes lundi, que je dise pas de conneries, 15 novembre. Il est de nouveau redisponible. Oui, redisponible. Pas disponible, mais redisponible. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Pour ceux qui ont précommandé la version PC, je pense que vous avez tous eu la rage ce week-end. Oui, vous voyez marqué reprendre. J'ai dû quand même tester le jeu, voir s'il tournait bien sur mon PC, etc. J'ai dû faire des petits tests vidéo, voir si ça tenait le coup. Et ça tenait le coup. En tout cas, on va voir. J'espère que ça va très bien se passer. Vous inquiétez pas, on va bel et bien refaire une nouvelle partie, les amis. Allez, c'est parti. Toute nouvelle aventure. CJ, l'arrivée de CJ, de nouveau, à l'aéroport de Los Santos. C'est parti. Let's go. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? His mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. Ça commence bien. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean, legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry, a fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. See, Hernandez, that is how an experience... Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. C'est un classique, vraiment. Allez, bon, ça y est, on y est, hein, la version PC, les amis. Oui, ce week-end, vous n'avez pas rêvé. À partir, je crois, de... Je crois qu'il a été supprimé vendredi ou jeudi.
je crois 24 heures après sa sortie, je crois. Hein. Sur le Rockstar Game Launcher, mais peut-être. Non, peut-être 72 heures quand même. Oui. La Definitive Edition a été supprimée de Rockstar Launcher. Allez, on va monter sur le vélo, on va quand même commencer à prendre le chemin. Donc oui, on est sur la version PC, alors nous sommes plus sur la version Xbox One, pour la simple bonne raison que c'était pas possible niveau fluidité. Non, je voulais pas vous proposer un display, alors c'était pas fluide du tout. Je voulais vous proposer quand même un petit peu de qualité quand même, ça me paraît important pour ce style de jeu là quand même. J'avais envie, voilà, tout simplement. Ça doit faire combien d'années j'ai pas dû toucher réellement sérieusement, hein, je parle, hein, à ce jeu. Ça fait quand même un petit moment. Ouais, mais oui, hein, ça fait bientôt un an, je crois, que je vous avais proposé un let's play, je crois, sur l'original. J'ai jamais terminé, et je vous explique aussi pourquoi. Je peux même vous dire... Ma sauvegarde avait arrêté pas de planter. Voilà, tout simplement. Bon, on connaît l'endroit, on a fait la découverte du Definitive Edition, mais voilà. Nous sommes sur PC. Alors oui, j'ai eu plein de merde. Voilà, je suis pas en ultra, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le jeu tourne en ultra, c'est même pas le problème. En fait, c'est qu'à chaque fois que je relance le jeu, ça me remet en fait... qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ? Ça commence bien, tu vois. Ouais. Qu'ils se font là ? What ? Monsieur, vous êtes perdu. Non, les paramètres graphiques en fait ne restent pas en ultra. Dès que je relance le jeu, en fait, ça se remet en par défaut. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ce bug. Mais voilà, c'est. À chaque fois, je vais. Voilà, non, tant pis, je vais pas remettre en ultra à chaque fois, sinon ça va me saouler. J'ai eu aussi un autre problème. À chaque fois que je lançais le jeu, il se mettait sur mon deuxième écran. Il se mettait pas sur mon écran principal. Je sais même pas comment j'ai fait pour résoudre le problème. Donc, me demandez même pas. Même moi, je sais pas comment j'ai fait. C'est quand même pour vous dire. Voilà. What the fuck. En tout cas, c'est très, très, très chaotique comme lancement. Franchement, la version PC, lancement très chaotique pour Rockstar. C'est très inquiétant. Voilà. Bon, allez. C'est parti pour Big Smoke. The wrong house, fool! Hey, 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 Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. CJ. Oh, my dog, what's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man, it's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Nous sommes le lundi, d'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, mais nous sommes le 15 novembre, le jeu est de nouveau disponible. Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me, it's not cut. Keep the value in and keep it real. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga.
And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Ballers, drive by, incoming. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike. Allez, c'est parti. You ain't forgotten that. Le bordel commence. Allez, monte sur le vélo, mon ami. Oui, donc on est le lundi 15 novembre et le jeu est de nouveau disponible sur le Rockstar Launcher, sur le Rockstar Game Launcher. Donc sur PC. Je n'ai pas compris en fait vraiment pourquoi en fait Rockstar ont décidé de l'enlever. Je crois deux jours après sa sortie, hein. Vraiment le jeu a pas fait trois jours. Hein. En tout cas il a pas fait le week-end, ça c'est sûr. Le week-end, personne, même ceux qui ont acheté le jeu, qui avaient tout installé et tout, n'avaient pas accès au jeu. Et franchement, what? Au revoir. Vraiment, même ceux qui ont acheté le jeu, qui avaient tout téléchargé et tout, qui avaient même joué le premier jour, etc., ne pouvaient pas jouer. Mais vraiment, je n'ai pas compris. Donc là, pour le coup, gros manque de communication chez Rockstar. Et vraiment, on n'a pas l'habitude de voir ça chez eux. C'est triste à dire, mais moi, très honnêtement, et je vais vous le dire, je vais vraiment vous dire la vérité. Raider, t'arrêtes de me couper s'il te plaît, mon ami. Oh, ça y est, lui aussi va s'y mettre, enfin. What? Attention. Ouais, j'ai du sens. What the fuck? Ouais, non, mais vraiment, j'ai du. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais le Rockstar, le. Me fait peur dans le futur. Vraiment, je. Enfin, c'est quand même assez chaotique comme lancement, je trouve que. Au final, je pense que, même moi, personnellement, je m'attendais à un meilleur retour que ça. Oui. Je m'attendais à vraiment un meilleur retour que ça. Alors, ça va pas m'empêcher de faire le let's play de San Andreas, GTA 3 et Vice City. Très sincèrement, on va se faire les 3. Car j'ai très envie de me faire les 3, on est sur PC, c'est... Voilà, c'est tout nouveau graphisme et tout, donc clairement, on va se les faire. Mais c'est vrai que... Il y a eu beaucoup de retours négatifs et ça me fait mal au cœur en fait de voir que bah des telles pépites bah se font massacrer quoi. Vas-y. Une fois qu'on aura passé cette ligne, ils vont s'en aller normalement. Bon, il a emporté Raider avec eux. Ils ont emporté Raider. Allez go. Mais ouais franchement moi ça me fait mal au cœur. Come on CJ. You can't keep up with the fat man. Mais bon, c'est comme ça. I got with them motherfuckers though. Sold them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Premier pas, voilà. Premier succès déverrouillé de cette aventure sur San Andreas. Allez, let's go, allez, faire notre première sauvegarde.
Bon, évidemment, on avait fait la découverte sur Xbox One. Et franchement, je vais vous dire après, hein, après le live, voilà, je me suis fait une deuxième petite partie où j'avais fait des petits cheat codes pour me, dans mon coin, voilà, juste histoire de m'amuser, histoire de retourner vraiment en enfance. Parce que quand j'étais gamin, j'ai utilisé des cheat codes pour m'amuser. Hein. Je crois que tout le monde l'a fait au moins une fois. Donc voilà, donc je commence à m'amuser, machin. Et c'est là où tu te rends compte que la version Xbox One, en tout cas, de moi, ce que j'ai vu, n'est pas du tout optimisée. N'est pas du tout... Alors, évidemment, je m'attendais pas du 60 FPS constant sur l'Xbox One. Mais mon Dieu que ça faisait mal. Hello. Hey, thought I explained some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Merci, mon petit sweet. Allez, Ryder. On va aller voir Ryder. Bon, en tout cas, voilà, je suis un petit peu déçu du lancement qu'a eu cette définitive édition. Je m'attendais pas, peut-être pas un carton monumental non plus, mais je m'attendais pas à un tel raté comme lancement. C'est vrai, c'est tellement rare de voir Rockstar se planter comme ça. C'est très très rare. Et franchement, moi, ça me fait peur. Donc voilà. Dites-moi quand même votre avis dans les commentaires. Moi, ça m'intéresserait de savoir parce que tout le monde. Voilà, tout le monde n'était pas pour cette version définitive parce que bah, il y en avait plein qui ne voyaient pas l'intérêt. Même le prix, hein, 60€, ça fait peur. Alors oui, j'ai remis 60€ dedans. Voilà, bon, bah, écoutez, voilà, c'est comme ça. Mais non, franchement, il y en a plein qui n'étaient pas d'accord. Voilà, ce que je peux comprendre aussi. Mais bon. Moi, c'est vraiment la nostalgie qui parle. Moi, je suis un grand fan de San Andreas, Vice City. J'étais à 3 un peu moins, j'ai moins grandi avec, mais bon. Enfin, voilà, mais on fera les 3, écoutez, puis voilà. Hein. Moi, je suis quand même content d'avoir ma petite version PC, même si je suis très très déçu. Mais en tout cas, des retours, malheureusement, ça peut pas être un succès tous les jours. Hey man, what you want? Seeing my home. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? No, huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Hey. Show me how they drive on the East Coast. Bah dis donc, il est vachement sympa lui. Bon évidemment, moi je suis vraiment désolé. Alors, les radios vont les étonner. Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I left that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got 5 minutes, I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Doucement. My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nut. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Yeah, on a un as, ok. On a toujours été un as pour lui, je crois. Ça n'a jamais changé. Et les goûts. C'est parti. En tout cas, ouais, non, bah, en tout cas, voilà, je vous ai donné mon avis. Sit yourself down, CJ. Maintenant, chacun son avis, et puis... Voilà. Mais moi je vous conseille quand même cette édition, même si malheureusement voilà, c'est pas GTA 5 quoi. Voilà, c'est ça reste quand même le même gameplay de l'époque, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on se prend? En vrai, je pense qu'on va prendre ça. Mais non, c'est trop bien. Bon allez, cette fois-ci, on plonge dans notre aventure. Voilà, maintenant j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant voilà, j'attends vos avis dans les commentaires, on n'en parlera plus. Passe à l'aventure maintenant, c'est parti. Shit, I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean and shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this, then I'm gonna take care of business.
Si tu ne manges pas, tu perds du poids, puis de l'énergie. La barre rouge indique ton niveau d'énergie actuel. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pensé à mettre ma cam en bas à droite. Bon, j'observe un petit peu la ville, bon. Petits effets de lumière, bon, pour le moment, il n'y a pas non plus des reflets partout. Oula, doucement. Non, mais... Je trouve que c'est sympa, quand même. Je trouve que le jeu, graphiquement, je l'avais dit en live, hein, quand on avait fait la découverte, mais... Je trouve que la refonte graphique, elle est vraiment... Je la trouve quand même assez propre. Même si c'est vrai que les visages... Ah, c'est vrai que les visages sont pas top. Bon, on va prendre le menu à 2$, hein. On va faire le crever. Pas non plus dépenser des 100 et des 1000 dans cette mission, surtout qu'on gagne de l'argent assez tard. Quand même en début de jeu, donc bon. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ, Buster, straight Buster. Oh shit, run! Oh shit, let's go. This pizza parlor's no pushover. Why? Oh, non. Oh merde. Cours. Un courant. Attends. Il est en train de manquer de respect, lui là. Vas-y, tiens. Donne-moi ton fusil à pompe, mec. Donne-moi ton fusil à pompe. Merci beaucoup. Oh non, excusez-moi. Mais... Lâchez-moi. Bref. Bon, ça, GTA sans musique, hein, c'est pas... Voilà, c'est autre chose, quoi. Par contre, là, jouer avec en 60 FPS, que ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci, le PC. Et non pas merci, les Xbox One, hein. Mais qui critique. Non, moi j'aime bien quand même. Ouais, j'aime bien quand même ce qui a été refait. Bon, je pense qu'on va faire une dernière petite mission pour ce premier épisode, les amis. Puis après, voilà. Hein. La petite roulette des armes. Il me semble qu'on a. Oui, on a toujours le pistolet à la main. Je vais récupérer mon pistolet. Moi je commence à connaître le début par cœur, moi, à force. Hein. Mais là, je le connaissais par cœur avant, mais là c'est même plus par cœur que je le connais, c'est... Là c'est n'importe quoi, là. Bon les amis, pour ce premier épisode, on va faire encore une petite mission. Après on s'arrêtera là. Je ferai des vidéos un petit peu plus longues la prochaine fois, vous inquiétez pas. Vous en faites pas, j'en ferai... Des plus longues, un peu plus de 30 minutes je pense. Ça c'est vrai, c'est un jeu assez long, et si on veut avancer assez rapidement... Il va falloir... quand même jouer assez longtemps. Hey, c'est vrai qu'il y a des visages qui peuvent faire peur. Non mais moi j'aime bien cette petite version définitive. Bon, je sais qu'il y en a qui sont déçus. Mais il y en a qui ont été ravis. Hein. Come on, fat boy. Look who's here, running man. What you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Ah, thought you'd hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Allez, c'est parti pour aller repeindre les tags de la ville. Let's go. Qu'est-ce que je kiffais, ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que je kiffais aussi, repeindre les tags. Tu vois, c'était un truc qui était assez marrant à faire dans le jeu. Bon, après, c'est vrai que... franchement, j'ai jamais fait les 100. Je vais pas vous mentir. D'ailleurs, je vous en ai jamais parlé, mais la première fois que j'ai fini ce jeu-là, ça date de il y a plus de 10 ans. Et c'était sur PC.
C'est quand même pour dire. Le flash tag est matière RT pour le recouvrir. Let's go. Matière RT jusqu'à ce que le tag soit entièrement couvert. Mais c'est vrai que ce qui est bien là, c'est qu'on va peut-être pouvoir faire aussi un comparatif entre la version. Entre le let's play que j'avais fait à l'époque. Enfin, le début de let's play, parce que j'ai jamais terminé, mais. Entre les vidéos que j'avais fait à l'époque, il y a presque un an, bientôt un an, le 26 novembre, ça fera un an que j'avais fait. Que j'avais commencé le let's play de GTA, San Andreas, l'original. Et c'était d'ailleurs la version de PC, c'était même pas une version 360. Non, c'était vraiment la version PC originale. Et on pourra faire un petit comparatif. Bon, même si en vrai, bon, voilà, entre. Même si je pense que c'est un peu compliqué de comparer si on va très vite voir la différence, mais c'est vrai que le voir comme ça, ça fait quand même bizarre. Je suis pas encore habitué à le voir comme ça, mais ça fait quand même plaisir. Allez, go. C'est vrai que sans musique, ça fait quand même bizarre. Hein. Moi qui ai l'habitude de mettre des musiques. Joli tag. Bon, bref. Oh là, attention, on va pas se faire écraser le karma. Let's go. Tu gagnes le respect de ton gang en recouvrant les tags. Ok. Ah, c'est vrai que pour pouvoir s'y tapoter. Mais je pense que ça, je vais le mettre en maintenir. Pour maintenir. S'y tapoter, c'est un peu chiant, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Bon, en vrai, je pense que je vais changer ça pour le prochain épisode parce que ouais, c'est un peu chiant de tapoter sur A pour courir. En plus, jamais été fan de tapoter sur un bouton pour. Jamais été fan de ce truc là. Oula! Bon, évidemment, il y a des petits bugs. Bon, ouais, je suis quand même content, franchement, d'avoir la version PC parce que. Le let's play, de toute façon, sinon je l'aurais pas fait. Honnêtement, je sais pas si je l'aurais fait sur Xbox One. C'est franchement la fluidité, mais vraiment. Allez, mais sur PS5, faites-le. Hein. Faites-le, c'est fluide et tout. Mais alors, sur Xbox One, franchement, vous allez être déçus, je pense. Enfin, si vous êtes exigeant, ne faites pas. Vraiment, l'achetez pas. Prenez une version PC si vous avez un bon, très bon PC pour le faire tourner. Mais franchement, prenez pas une version Xbox One. Ou alors, Xbox One. Xbox Series X. Je crois que ça s'appelle la dernière Xbox. Mais même PS4 ou PS4 Pro, vous allez être déçus, je pense. Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. Merci, Sweet. Nos premiers billets, ça y est. Yeah. Bon, bah voilà. C'est parfait. Bon bah les amis, voilà. Premier épisode achevé, on va s'arrêter là les amis pour cette premier épisode de cette aventure sur GTA San Andreas. Comme les gens l'appellent la légende. On va répondre au téléphone quand même. Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Ah bah dis donc, CJ, t'as pas un langage très 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 correct, hein, dis donc. Bon, voilà, en tout cas, voilà, premier épisode fait. Je pense que de temps en temps, on le fera en live, la suite de notre let's play, on la fera en live. Elle sera de moins bonne qualité, bien évidemment. Parce que là, bah, évidemment, je suis en vidéo, hein. Là, je suis en off, je suis hors stream. Mais je pense que de temps en temps, on continuera notre partie en live et je téléchargerai la rediff et je la posterai sur YouTube. Enfin bref, là, voilà. Mais je pense qu'on le fera surtout en vidéo, justement pour avoir de la qualité. Moi, je vais aller sauvegarder, même si on a une sauvegarde auto dans ce jeu. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Les nouveautés d'ailleurs hein, de ce jeu pour ceux qui sont pas au courant, mais bon je pense que tout le monde le sait maintenant. On a une roue d'armes, voilà, à la GTA 5. Bon.
C'est pareil, on a une route radio, on sait qu'on est en voiture. On a le GPS inclus. On a le tracé sur la carte maintenant, alors qu'on ne l'avait pas à l'époque. Ça par contre c'est pratique, parce que j'avoue dans la campagne, c'était très 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 chiant de trouver son chemin. Le nombre de fois que je me suis perdu moi à l'époque, c'était incroyable. Donc ça je pense que ça va pas mal m'aider. Puis je crois que c'est à peu près tout. Hein. Si, toute nouveauté aussi. Elle est pas énorme, mais maintenant vous pouvez courir un peu plus vite. Si vous voulez courir, voilà. Vous pouvez sprinter un petit peu plus vite maintenant quand vous avez une arme genre AK-47 ou fusil à pompe. Ou batte de baseball, etc. Les trucs où vous pouvez pas courir à la base à l'époque. Vous pouvez, que ça soit dans GTA 3 et Vice City. Ça c'est aussi un truc pas mal. Bon, vous avez un fusil à pompe, vous pouvez courir un petit peu. Bon, c'est pas une vitesse impressionnante, mais bon voilà. Vous pouvez courir un petit peu plus vite. Voilà, bon, c'est toujours cool. Voilà les petites nouveautés, en tout cas pour le moment de ce que je vois moi. S'il y a d'autres nouveautés que j'ai pas vu, que j'ai loupé, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Hein, c'est pas sûr que j'ai loupé des choses. Moi, je vais arrêter la vidéo là. Je vais aller. Oh, gagner en muscle. Alors que j'ai rien fait, c'est incroyable. Il va falloir se muscler aussi. Bref, je vais arrêter la vidéo là. Je vais aller sauvegarder de mon côté. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous tout le monde. Ciao, ciao, à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis voilà, des bisous. Allez, ciao, ciao. Et on se retrouve à la prochaine fois pour le second épisode de notre aventure. Sans s'en rendre à la tchou tchou.